thoughts in bed, took a nap. It was a very good nap. That email, took a nap. Zoom call, I took a nap. What about your lunch plan? I took a nap. How's... Salut. Salut. Bon, suite à vos nombreuses questions, je vous reparle du coup de mes culottes menstruelles. À savoir que c'est une protection maintenant que j'utilise depuis environ un an. J'ai testé plusieurs marques et celles-ci, donc les Eve & Co, sont celles que j'ai préférées pour deux raisons. Déjà parce qu'elles garantissent la même efficacité que les autres marques que j'ai pu tester. Par contre, elles sont beaucoup plus confortables. C'est-à-dire que le problème que j'ai rencontré chez les autres, c'est au niveau des coutures. Je trouve qu'elles me serraient énormément. Et donc du coup, j'avais toujours vraiment la trace au niveau de la culotte, par exemple, sous un pantalon ou un legging. Et un inconfort au niveau de la couture qui était vraiment un petit peu serré que quand j'enlevais, me laissait des traces. Ce n'est absolument pas le cas avec celles-ci. Elles sont hyper confortables et très efficaces. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette marque et voilà pourquoi je vous en parle après les avoir testées sur deux ou trois cycles. Je sais plus, mais là je suis en fin de cycle. Donc voilà, ce sera ma dernière culotte de la semaine. Pour ceux qui n'ont jamais testé et qui hésitent à passer le cap, sachez que moi, ça va faire un an maintenant que je les utilise, que je n'utilise plus de tampons ni de serviettes. Je ne reviendrai mais jamais en arrière pour plusieurs raisons. Déjà, pour la raison principale, c'est le confort. Pas de fuite, pas d'odeur, pas de sensation d'humidité quand on les porte. Donc pour ça, déjà, c'est un gros oui. Deuxièmement, pour des raisons financières, parce que tout simplement, je n'achète plus de tampons, plus de serviettes. Il me suffit de quelques culottes que je vais utiliser à chacun de mes cycles. Il m'en faut en moyenne 4 à 5. Sachez qu'elles sont lavables en machine à 30 degrés. Donc du coup, vous pouvez les réutiliser indéfiniment à chacun de vos nouveaux cycles. Voilà. Et pour d'autres questions que j'ai reçues au niveau du flux, sachez que moi j'ai un flux qui va être un peu plus abondant les deux premiers jours. Donc j'ai des culottes qui vont être faites pour cet effet, donc c'est-à-dire avec exprès, donc flux abondant. Et ensuite vous avez des culottes qui vont être pour celles qui ont un flux moins abondant, ou moi pour le reste des jours en fait de mon cycle tout simplement. Donc la culotte va s'adapter à votre flux évidemment. Pour des raisons d'esthétique, vous avez aussi plusieurs modèles. Donc là, c'est un boxer, hein, un petit shorty que j'ai pris. Celui-ci, par exemple, j'utilise énormément la nuit. Voilà, je le trouve hyper confortable. Je ne porte rien d'autre. Je ne mets même pas de pyjama par-dessus, si ça peut vous convaincre. Voilà, vraiment, j'ai aucun souci, aucun accident. Et vous avez aussi le modèle que vous avez donc sur la photo que je vous ai montré juste avant, qui est au sale actuellement. Voilà, plus fin, plus discret peut-être. Et donc, du coup, sympa pour la journée aussi quand on va s'habiller. Voilà. Pour maintenant, la partie la plus intéressante, mon code promo. Du coup, pour celles qui souhaiteraient tester, sachez que j'ai moins 50%, donc avec le code Chloé50. Ça peut vous permettre éventuellement de prendre plusieurs culottes d'un coup pour avoir un cycle complet. Donc, il faut en moyenne 4 à 5 culottes, en sachant que vous pouvez aussi les laver si vous souhaitez en prendre un petit peu moins. Et du coup, les réutiliser. Et aussi, ça vous évitera les allers-retours du coup en magasin pour aller acheter vos serviettes et vos tampons. Surtout quand on s'y attend pas et qu'on se retrouve en catastrophe le matin en se réveillant en se disant « mince, j'ai rien et mes règles sont arrivées ». Donc voilà, plus de soucis, plus d'accidents non plus de ce côté-là. Donc voilà.